lui-même composé, car c'était un joli compositeur. Alors, Toto, tu visites ? Oui, il y a le beau-frère qui monte sur son lit, et Louis XIII lui dit, alors, comment avez-vous nom maintenant ? Et le gamin lui répond, Louis XIV, pas encore, dit Louis XIII, mais ça ne serait pas. T'as vu, là, il est entre inquiétude et curiosité, en fait. Hein? T'as vu, il cherche pas à sortir ni à s'enfuir. Là, faut que je fasse gaffe parce qu'il pourrait me, il pourrait m'alpaguer, là. S'il a trop peur. Mais non, tu vois, il n'a même pas peur. Il grogne pas, rien, t'as vu, en fait, il pas trop de, pas trop de réaction. Ah, la langue qui sort, ça, c'est alors là, l'inquiétude. Hein. Pliche, elle fait quoi? Le fleur, comme ça, en mode. Qu'est-ce qu'elle fait? Rien. On va voir Plis. Plis va se mettre en mode chasseur. Ouais. Mais en plus, elle a fait un chevalier après quand elle voulait bondir. C'est vrai? Ouais, elle a comme fait... si elle voulait bondir dessus? Ouais, elle a fait des chevaliers, elle a fait. Ouais. Ça va, chapeau? Oh, alors. T'as vu le toutou? Hein? Voilà. Heureusement que tu me connais, Toutou. Hein. Ouais, heureusement. Hein. Allez, tu te poses. Tu vois. T'as vu, c'est posé. Franchement, il n'y a pas de panique. Hein. Il ne cherche pas à s'enfuir, il ne cherche pas à aller vers la porte. Chapeau, mais là, elle approche carrément. Ah, mais là, franchement, j'aurais jamais pensé ça possible. Elle s'enfuit pas. C'est incroyable, ce chat. C'est incroyable. La chapoum, c'est quand même un chien. Ça va bien que tu gardes tes distances. T'aurais pensé ça? T'aurais pensé ça, en vrai? Jamais. C'est incroyable, ce chat. Attends, je vais tester le chien. Ça va, Toutou? Tu vas pas sauter dessus? Hein? Si tu sautes dessus, elle va se cacher pour toute la... pour une semaine. Hein? Hein? En même temps, il n'est pas chez lui, donc tu vois, tu as l'avantage d'être sur son terrain. Chapeau, mais elle le sait, quoi. Elle est quand même chez elle. Tu te rends compte, la chatte, hein? Elle vient, elle observe. Ça se trouve, ils vont être super copains.
comme ça pendant 1 heure. Ça doit être ça l'expression un chien de faïence. Se regarder en chien de faïence. Ça doit être ça? On a un chien de faïence et un chat de faïence. Je sais pas si c'est bien fait. Faïence? C'est la porcelaine, non? Chapeau, carrément, on s'en fout. C'est les mêmes capables de comprendre que c'est un vieux chien et qu'il est complètement inoffensif. C'est presque sûr. Ouais, bah elle est au meilleur état quand même. T'as vu comment il est faible? Non. De toute façon, elle n'a jamais attaqué personne. Bon, ben, 8 minutes de chien de faïence, ça suffit, hein? Un toutou. Hein? T'es bien ici? Tu paniques pas, on dirait. Hein? Plutôt bien. C'est bien d'avoir ta couverture en plus. Hein? Allez, j'arrête, hein, c'est bon.